plateau de Science Quiz, une édition spéciale Planète Nature pour la fête de la science. Tout au long de cette manifestation qui est placée sous le signe du numérique pour cette année, quatre équipes vont s'affronter sur quatre thèmes différents: l'air, la terre, le feu et l'eau. Nous avons le plaisir de réaccueillir nos deux équipes, Maël qui compose l'équipe des lions et Johan qui compose l'équipe des chameaux. Est-ce que ça s'est bien passé les deux derniers thèmes pour vous? Oui. Oui, oui. Vous avez préféré lequel? L'eau. L'eau? On n'a pas encore vu l'eau. Ah non, ben... Alors, sur le thème de l'air et du feu. Et du feu. Toi, tu as préféré le feu. Ouais. Toi, tu as préféré l'air. Alors, aujourd'hui, on va voir un nouveau thème. Alors, du coup, vous vous êtes affrontés sur l'air et le feu. Donc, ce soir, ce sera, d'après vous, La Terre. Et eh oui, on va jouer autour du thème de la Terre. Ça vous parle un peu, la Terre? Non? Les animaux, les plantes, oui, choses comme ça. Ça va aller? Ouais. Alors, est-ce que vous allez être prudent ce soir ou est-ce que vous allez prendre des risques? Vous êtes plutôt prudent quand même. Hein. Alors, ce soir, vous êtes comment? Je sais pas. Rapide. Rapide? Ça va être selon les questions, je pense. Hein. Ouais. Hein, on verra bien. Alors, du coup, hier, l'équipe de Johan, donc des chameaux, avait cumulé 12 points et celle de Maël, des lions, ont cumulé 6 points. Alors, il y a encore quand même deux thèmes. Donc, ce soir, c'est l'opportunité de marquer le maximum de points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on va commencer avec la première manche. Donc, comme pour les soirs précédents, ce sont des vrais ou faux. Les règles n'ont pas changé. Il faut être le plus rapide. On buzz. Si c'est la bonne réponse, le point est pour son équipe. Si c'est la mauvaise réponse, le point va pour l'équipe adverse. Et on n'oublie pas, on attend la fin de toutes les propositions. Vous êtes prêts? Oui. Alors, pour la manche 1, avant de poser la question, on va regarder une petite vidéo de Aline Pelletier, qui est directrice de l'OVPF et qui va nous parler un petit peu de volcans. Alors, il faut savoir que l'île de la Réunion, c'est avant tout un volcan. Le Piton des Neiges, qui représente presque l'intégralité de l'île de la Réunion. Et sur ce Piton des Neiges est venu se construire, il y a 500 000 ans, le Piton de la Fournaise, qui est donc juste une toute petite verrue sur le Piton des Neiges. Vous êtes prêts? Oui. Alors, le Piton de la... le Piton des Neiges est un des volcans les plus actifs du monde. A, vrai. B, faux. Faux. Johan, du coup, tu disais? Faux. Faux. Alors, en effet, le Piton des Neiges, il n'est plus en activité aujourd'hui. D'ailleurs, il est endormi depuis 12 000 ans. Donc, un point pour l'équipe des chameaux. Est-ce que vous êtes prêts pour la question numéro 2? Oui. On va parler plantes. Yes. On parle plantes. On va parler vanille. Yes. C'est bon, la vanille? Ouais. Vous aimez la vanille? Oui. D'accord. Alors, c'est toujours un vrai faux. Hein. La vanille est une orchidée. A, vrai. B, faux. Ah, il n'y a pas d'indice. Ah. Est-ce que ça fait partie des orchidées, la vanille? Oui, le vanillé. Alors, le vanillé. Le vanillé, donc la plante qui donne la vanille. La vanille. Est-ce que, d'après vous, c'est une orchidée? Les orchidées, généralement, c'est des plantes qui grimpent un peu avec des grosses feuilles comme ça. Alors, est-ce que... Ouais. Ah. Alors, en effet, la vanille, on va regarder d'ailleurs l'image, c'est une plante grimpante des climats tropicaux et ça fait partie des orchidées. Et est-ce que vous savez qui a découvert la fécondation de la vanille à La Réunion? Parce qu'on n'a pas le petit insecte qui le fait tout seul. Du coup, c'est quelqu'un qui l'a découvert à La Réunion. C'est une fécondation manuelle. Alors, c'est Edmond Albus. Oui. Elle était compliquée, la question. Question facile. Question facile? Oui. Donc là, on a un point, du coup, pour l'équipe des... Lions. En effet. Égalité, les garçons. C'est vrai, hein? Alors, question numéro 3. On va parler d'énergie fossile. Ça vous dit quelque chose, énergie fossile? Ah, on voit ça à l'école. Récemment. Oh, vous inquiétez pas. Ok, ok. On trouve les énergies fossiles sous la Terre. A, vrai. B, faux. Vrai. Oui. Alors, on va demander à notre partenaire d'EDF, Monsieur Saint-Guény, de répondre à cette question. Alors, les énergies fossiles proviennent d'espèces végétales enfouies sous terre depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Donc c'est une source d'énergie qui n'est pas inépuisable, hein, qui n'est pas renouvelable, qu'on va venir puiser sous la terre pour ensuite fabriquer de l'énergie. Typiquement, ça peut être du charbon ou
du fioul qui va venir faire tourner les voitures ou aussi faire tourner des machines. Et c'est une bonne réponse. Donc l'équipe des chameaux remporte cette manche avec 2 points. Et il nous reste encore 2 manches. Là, on va passer à la manche 2. Alors pour la manche 2, c'est comme les deux autres jours. Vous avez une question et 3 propositions de réponse. Il faudra buzzer au bon moment lorsque j'aurai fini de faire toutes les propositions, sinon le point ira à l'équipe adverse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, première question. Ça va concerner le temps. Vous connaissez le temps? Oui. Non? Alors, on va poser une petite question sur le temps. À quelle famille d'animaux appartient le temps? Est-ce que c'est A, les mammifères, B, les oiseaux ou C, les insectes? Mammifères. On va vérifier ta réponse avec Caroline Robert du Parc National. Donc le tank, c'est un petit mammifère qui vient de Madagascar, qui fait partie de la famille des tankrecs. Donc c'est une grande famille de petits mammifères à Madagascar. Et donc il a été introduit à La Réunion pour être chassé et pour être mangé. Et donc aujourd'hui, on le retrouve dans les forêts de l'île. Il a les mêmes stratégies en fait qu'un hérisson, car ce n'est pas un hérisson. Il y ressemble beaucoup. Il a entre autres une défense avec des épines sur le dos. Et ensuite, il va fouiner le sol pour trouver sa nourriture. Il va se nourrir de petits insectes, d'escargots. Et donc, c'est un animal aussi qui ne voit pas grand-chose, mais qui va plutôt ressentir les vibrations. Et d'ailleurs, il va surtout sortir la nuit pour se nourrir. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit très rarement la journée. Et c'est une bonne réponse. Le tank fait bien partie des mammifères. Un point pour l'équipe des chameaux. Allez, deuxième question, ça va concerner les forêts. Vous aimez bien la forêt? Oui. Chouette la forêt. Allez, question 2. Il faudra observer l'image qui est projetée. Sur cette image découpée en 3 parties, où se situe la canopée? Est-ce que c'est sur la partie A? Est-ce que c'est sur la partie B? Ou est-ce que c'est sur la partie C? La canopée. A, B ou C? B. Partie D. Alors malheureusement, c'était la partie A. Bien tenté. C'était bien tenté. La canopée, c'est la partie supérieure de la forêt. C'est la partie qui est exposée aux rayons du soleil. La partie B, elle fait partie de la strate arbustive. Et la partie C, elle fait partie de la strate des herbacées. À La Réunion, par exemple, nous, on peut voir la canopée dans la forêt de Marlon, à Saint-Philippe. On peut les voir dans toutes les forêts. Alors, un point pour l'équipe des chameaux. Allez, troisième et dernière question de cette manche. Qu'est-ce que l'érosion? Est-ce que c'est A, la dégradation des reliefs et des sols, B, le manque de sel dans la mer, ou C, la naissance des tortues marines? C'est quoi l'érosion? L'érosion. Alors, les propositions. Allez, les propositions. Dégradation des reliefs et des sols, le manque de sel dans la mer ou la naissance des tortues marines. Le A. Alors, moi, je te propose qu'on vérifie ta réponse en vidéo. L'eau est une source vitale pour la nature, mais présente en grande quantité, elle peut déformer l'écorce terrestre. Lorsqu'on a un fort écoulement des eaux, il y a ablation des couches superficielles, c'est-à-dire que le sol se détache, puis se déplace et enfin se dépose. C'est cela qu'on appelle l'érosion. Bonne réponse, c'était bien la dégradation des sols. C'était pas une question facile. Non, c'était pas une question facile. On va retourner sur des questions faciles. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième manche? Oui. Alors troisième manche, donc l'occasion de marquer 3 points. Toujours les mêmes règles. On attend la fin des propositions pour buzzer. Si c'est la bonne réponse, le point pour son équipe. Mauvaise réponse, point pour l'adversaire. Alors là encore, c'est propositions A, B ou C. D'accord? Ok. On va parler chewing-gum. Oui, on va parler chewing-gum. Chewing-gum. Manger des chewing-gum? Oui. Ouais. D'accord. Alors, question numéro 1. En combien de temps se dégrade un chewing-gum jeté dans la nature? Est-ce que c'est A, 5 ans? Est-ce que c'est B, 2 semaines? Ou est-ce que c'est C,
1000 ans. 5. Alors, A. Alors, je te propose de vérifier si c'est la bonne réponse en vidéo. Le chewing-gum met 5 ans à se dégrader dans la nature. Est-ce que tu savais que le chewing-gum était fabriqué à partir de caoutchouc de synthèse et qu'il peut être recyclé aujourd'hui? Ce n'est pas encore le cas en France, mais à Londres, tu peux trouver des poubelles spéciales chewing-gum de forme ronde et de couleur rose bonbon. Les chewing-gums récoltés servent ensuite à élaborer des produits en plastique recyclé. En effet, la bonne réponse était bien 5 ans. Et est-ce que vous jetez des chewing-gums dans la nature, vous? Non. Ah, c'est bien. Donc, un point pour Maëlle de l'équipe des Lions. Question numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va parler de la Terre. Alors, combien de temps la Terre met-elle pour tourner sur elle-même? Est-ce que c'est A, 12 heures? Est-ce que c'est B, 24 heures? Ou est-ce que c'est 48 heures? 24 heures! C'est un duel de regard, là. Alors, je vous propose de regarder la réponse en vidéo avec Gilbert Waro, qui est le président d'honneur de Sciences Réunion et qui est également professeur de physique-chimie à la retraite. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, c'est le jour solaire. En fait, pour définir cette durée, tout dépend du repère que l'on prend. Si c'est par rapport à une étoile, la Terre met exactement 23 heures, 56 minutes et 4 secondes pour faire un tour sur elle-même. Seulement, pendant qu'elle fait ce tour sur elle-même, elle se déplace aussi sur son orbite. Ce qui fait que par rapport au Soleil, eh bien, il faut des secondes en plus et c'est là qu'on a les 24 heures. Et oui, la bonne réponse était bien 24 heures. Attention les garçons, vous êtes à égalité. Donc c'est le point final. Donc dernière question de cette dernière manche. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va parler géographie. Ça va ça? Oui, ça va. Ils sont confiants. Ok, alors, question. Quel est le plus grand continent du monde? Est-ce que c'est A, l'Asie? Est-ce que c'est B, l'Afrique? Ou est-ce que c'est l'Amérique? Vas-y. Réponse en vidéo, on vérifie? Un continent est une vaste étendue de terre à la surface du globe entourée par de l'eau. On distingue 6 continents. Avec une superficie de près de 45 millions de kilomètres carrés, l'Asie est le plus grand continent du monde. L'Amérique est le deuxième plus grand continent puisqu'il fait près de 42 millions de kilomètres carrés. On positionne ensuite l'Afrique avec près de 30 millions de kilomètres carrés, l'Antarctique avec près de 14 millions de kilomètres carrés, l'Europe avec près de 10 millions de kilomètres carrés, puis l'Océanie avec près de 9 millions de kilomètres carrés. Et oui, la bonne réponse était bien l'Asie, donc tu marques ce point pour cette dernière manche. Alors bravo à vos deux équipes pour les questions sur la Terre pour ce soir. C'est l'équipe des Chameaux qui est en tête pour l'instant avec 12 points. Qui a un total de 19 points pour les 3 thèmes concernés. Et l'équipe des Lions a 10 points au total. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore une soirée avec un thème qui sera le thème de l'eau. Nous, on se retrouve demain sur YouTube à 17h30. Au revoir. Au revoir.